ويثي ذي دي تولين تيكوسا كقلا نغال داس نقاذ طن ومينوث ذاكن السكين أمين زاوين يفكاد ذاك يو ذاكني لما جاء ذاك أوزلان كان كيكير سلمغولا وين مسمى أميني بورتري سعيد السعدي كما لو يفن أخي تصمد يوشو أمين زاوين شو ذي دي قتنا كيكير يخمد أميني بورتري دكتور سعيد السعدي أمين زاوي إخمد أميني بورترين سايد سادي نكمش توليغ وش إخمسا أخطر جسمون لبوليميك نيلان يراس واحد صحاب الرشاد دونك أمبو دير دو بروجي سوسيتي أنتاغونيك دونك أمين زاوي كيف فهم كينا الفيت إخمد أميني بورترين سايد سادي مانير انتليجون دي سوتنير سايد سادي دون سيت بوليميك دون سيت لوت أمبو دير entre deux projets de société. Et où le projet de société d'Amizawi, il ferait le raïs, mais le projet de société, il est incarné par Saïd Saadi, et c'est pour ça qu'il y a un mini-portrait, il le décrit, et Rachid Atnazar, d'achou, Amchad Dithib décrit. Je suis Jen Amizawi, un dérouleur à Saïd Saadi, un mini-portrait. Est-ce que chacun est chou de Samou Souyaki, un Rachid Narana? وي لا 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 كنصفر البورتري اللي دخم الميني بورتري اللي دخم سعيد سعدي يشود الى بوليميك دونك زمرا ثورا رشيد ديكري غنمشي تخدم مشي تخدم سعيد مشي تخدم امين زاوي امشي دي ديكري لو بورتري دو سعيد سعد يوث ديكري دي كوميتون اون بيت بوليتيك اون بيت بوليتيك دون سونس بوزيتيف سادير ان انيمال بوليتيك سادير دي ونيلان سو ان اكسبرسيون اوتيليزي pour dire que quelqu'un fait de la politique, il est citoyen réellement, ce n'est pas quelqu'un qui accepte n'importe quoi, donc il milite pour la citoyenneté, pour que puisse vraiment acquérir des espaces d'expression de droit. Et il est un militant de terrain, mais aussi de médiation, c'est un intellectuel calme, sage, explosif. Il ressemble à des personnalités du politique du XXe siècle. Les analyses elles sont basées sur des données historiques. Ils sont tous habités par le futur et tourmentés par la réalité. C'est-à-dire qu'ils sont il fait ses interventions sont des réflexions. C'est des réflexions. Dans ce texte, il y a une touche philosophique qui éclaire souvent ses approches politiques. Et les textes d'Arant, ils sont fluides et ils donc entre la politique et le culturel. C'est un homme de traces, il y a une hygiène des traces, un homme d'écrit, donc il y a une hygiène. Ses propos sont toujours formulés dans des textes. Donc, ça, c'est un simanis, c'est un manuel politique. L'ombre de son expérience de militant est présente sans égocentrisme. C'est-à-dire, il y a une île, Nazar et Tiktiwinis, il y a des traces de militants, mais il y a des problèmes de concentrer sur l'Amres. Il n'appartient ni au clan des politiciens, ni à celui des prophètes, des politiciens diaboliques, ni à celui des prophétiques. Mais il y a une île. Il est un prophète, dans des cases bien déterminées. C'est quelqu'un de diligent, ça veut dire quelqu'un de rapide et d'efficace. Son capital, il n'est pas des adversaires, mais en même temps, il a des sympathisants. Le discours, c'est-à-dire il n'y a pas de langue de bois. Son style est basé sur la philosophie et un style philosophique et littéraire. Il réclame le changement politique
sans précipitation politicienne native. Donc, Yunilan, un homme de la modernité, ancré dans la culture locale, mais ouvert, il baigne, mais sa tête il baigne dans l'universalité. Yunilan, l'ennemi idéologique, c'est l'islamisme. Et parce qu'il représente une menace actuellement. Et donc, l'islamisme, pourquoi ? Parce qu'il menace le changement pacifique. La violence. Donc, il va débattre ses analyses et ses forces démocratiques et on peut dire par rapport aussi à la. Donc, il va débattre par rapport à ses idées. Voilà, Rachid Soumata. هاك البورتري اللي خدمنا من زاويه سعيد سعد. لا هذا تنمير تسقسي قبل نكارو ويفنى دينيض ويفنى دينيض كمال ايوا شو غاسول ما دكتور سعيد سعد يتجا انا غاسرت انا دش عليا انا خايب شريس كوسان زوج 2012 ماشا مازال كان والي الحفلاس يعني منقار لدغال لي بوليميك تو تيل طون ديما لا بوليميك فين يدي تساهو نابش Saïd Sadi, il a un certain charisme et c'est quelqu'un qui s'est imposé dans la scène politique algérienne depuis 1989. En même temps, Saïd Sadi, il est aussi un intellectuel. Et un intellectuel, il ne ment pas. Donc, c'est pour ça que Saïd Sadi ne joue pas avec le populisme. C'est quelqu'un qui a un charisme qui a un donc c'est pour ça que Warashid فهذاك سي كلير قرناك ما تبغي تسعة تاع دوان هضرتي ذت ما بغيتي تفتي مالك وحدك هضرتي ذت دازير تي نا با بزوان دو كريي دي ادفيرسير سوفي دير لا فيريتي دونك سايد سعدي لا بوكو دادفيرسير خاطر يدي دي فيريتي دونك سي بور سا كو اي او ميم طون جوستمون لي كونسيرفاتور لي اسلاميست تو سا سي عند دعدو سيرتينمون باسكو سي اكيد ناني لي سي رولي الى ريدي بروسيدي الكتورال بغانا شود المره بلي سعيد سعدي يوني لان لي اونتي سادير اونتي ديموكراتيك الوغ كو يوني لان يفاد تيم سيرين يفاد دي زيكزومبل الى في ان توت ان كومبا الى في دلا بريزون بور لا ديموكراسي اون الجيري بور لي دروا دو لوم بور لا كيستيون ايدونتيتير في مزيغ الحمراء دونك ونزمير ذا شود يدنيني في ثالوث بلي سعيد سعدي مش تويني لان ذا ماكدات سلي با ديموكرات دونك باسكو يسعى دي زادفيرسير بوليتيك خاطر اهضر في ذت اني جوست ما كدنا ني لي من زاوي يخطاك لونغ لا لونغ دو بوا دونك الراشد كان ديو لي بغا يستخدم البوبيليزم يبغى يسكدب الى سعيد سعدي الى يسعى توت لا جيري دو فيرس مي ذا شو تيلمون يدي لا فيريتي tellement quelqu'un qui investit dans le futur, c'est-à-dire quelqu'un qui a vu une vision, une perspective historique. Ça veut dire que Machidi Moutmizin, quand il voit ça, mais il n'y a adhéré pour avoir de bonnes bases, pour construire une Algérie de demain sur de bonnes bases. Donc c'est pour ça que, parce que Malaysia de Bionessa a traversé les générations futures. Voilà Rachid Soumata pourquoi ça a dit, suscite à chaque fois de la polémique. تنميت كمال السن جابو غتنكفو مايلا امين زاوي خمد امين البورتغي سعيد سعدي مايلا سوترا كيتشيني تخمض امين البورتغي سعيد سعدي دام كاين ليا كي لا بيرسونمون كي تولي سعيد سعدي دونك ايتون دوني كو جي ميليتي دونك او سان دو بارتي كريي بار سعيد سعدي اي بيان سور افيك دوتر je le suivais depuis 1989 personnellement. Donc, si j'ai à le décrire, personnellement, en lui-même, il représente tout un projet de société, toute une école politique et de quelqu'un qui est engagé, donc on peut dire c'est un intellectuel engagé, justement qui s'éloigne du populisme et c'est quelqu'un qui a des formules simples pour traduire la complexité de la situation politique. D'ailleurs, à chaque fois,
tout le monde attendait les contributions de Saïd Saadi. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a la confusion, les gens ils sont dans l'incertitude, c'est tout le monde qui attendait les réflexions de Saïd Saadi. Pourquoi? Parce qu'il arrive à clarifier, il arrive à simplifier les choses et à bien donner des priorités et à clarifier la situation politique complexe. Donc, si j'ai à résumer vraiment le mot qui pourrait traduire Saïd Saadi, c'est quelqu'un qui est un intellectuel engagé, qui investit dans le futur et qui s'engage au présent. Il a un passé bien déterminé qui a milité toute sa vie pour l'instauration de la démocratie et de rétablir certaines vérités historiques, principalement, par exemple, la question identitaire de Mazir. Donc, on peut dire, Saïd Saadi, Simani Souhdus, c'est une école. C'est un projet de société, c'est une vision du monde. Il y a un Timourli, en adéquation avec la modernité, avec le temps. Donc, on peut dire que c'est quelqu'un, Nilen, c'est un homme de son temps et c'est quelqu'un qui a une vision et qui nous aide à bien clarifier la situation. Donc, on peut dire que c'est un peu aussi une sorte d'un éducateur de masse aussi. On peut dire il arrive à transmettre des leçons de la vie. Donc c'est pour ça que ça a une touche philosophique parce qu'il arrive à conceptualiser la vie politique principalement parce que et en même temps en relation avec l'histoire parce qu'on ne peut pas comprendre le présent si on ne le rattache pas au passé et en même temps pour avoir une vision futuriste. Donc on peut dire Saïd Saadi c'est un intellectuel engagé, qui a une vision, il représente en lui-même toute une école. تنميته كمال تنميته كل نساء تجاران نوتون كير أوسن قاضي سان مليل ذا قطون نظرانه دين قمة ذي ثلويث.